Raden kali. Raden. Happy Holi. La ville de Vrindavan est célèbre pour son enthousiasme à célébrer la fête de Holi, le festival des couleurs, une des dates les plus importantes du calendrier hindou. La fête de Holi, au mois de mars, marque l'arrivée du printemps et la victoire du bien sur le mal. Selon la légende hindoue, le roi Prahlada, adorateur du dieu Vishnu, tua par le feu le démon Holika. On vient de toute l'Inde pour commémorer Holi à Vrindavan. Les rues sont bondées pendant les deux jours de festivités. On se souhaite un Happy Holi, joyeux Holi, en se jetant du goulal, la poudre colorée. Pendant Holi, lorsque tous les corps et les visages sont barbouillés de couleurs, les barrières des classes sociales sont temporairement effacées et on est ensemble dans un esprit de fraternité, d'amitié et d'égalité. On danse, on se jette des kilos de goulal, on s'asperge d'eau colorée. Les rues se transforment en une grande cour de récréation. Étaler du goulal sur le visage de son ami est une belle marque d'affection, de fraternité. Dans les rues de Vrindavan, des groupes jouent de la musique carnatique, la musique traditionnelle hindoue. La ville de Vrindavan est une ville sainte, car c'est l'endroit où le dieu Krishna a passé son enfance et son adolescence. Plus tard, Krishna et son épouse Radha seraient apparus en personne à Vrindavan au 15e siècle. Pendant la fête de Holi, la foule n'oublie pas la dimension religieuse de l'événement et on se presse dans les temples de la ville. Les croyants commencent toujours par le temple dédié à Bankabiari, une des formes du dieu Krishna. Toute la nuit, ce sera un flot ininterrompu de pèlerins. Les non-hindous ne sont pas autorisés à entrer dans le temple. Le fleuve Yamuna est l'un des sept fleuves sacrés de l'Inde et est considéré comme une déesse dans la mythologie hindoue. Selon la légende, le dieu Krishna y jouait quand il était enfant. Sur ses rives, des cérémonies sont organisées en son honneur dans le temple de Keshigat. Le Brahman, le prêtre dans la religion hindoue, brandit le feu sortant d'une lampe à huile appelée Aratidiya. Le feu est considéré comme sacré et purificateur. C'est aussi une offrande, une sorte de communion avec la divinité à qui on demande sa bénédiction. «
Le lendemain, des milliers de chaussures abandonnées s'entassent à l'entrée du temple Bankabiari, puisqu'on ne peut y entrer que pieds nus. Quand le goulal teint toutes les chaussures d'une même couleur pourpre, il est bien difficile d'y retrouver la sienne. Autre temple important à Vrindavan, le Shri Radhavallabh Laji, lui aussi dédié à Krishna. Il fut construit au XVIe siècle par la reine Jodhabai, l'épouse de l'empereur Adkbar. Dans la religion hindoue, voir la divinité est fondamentale, car de cette vision naît le darsana, être en présence du divin et recevoir sa bénédiction. Le darsana aurait un pouvoir de guérison par la force spirituelle bénéfique. Krishna est assis sur une balançoire et les prêtres le balancent comme on balance un enfant. Car, selon la légende, Krishna vécut à Vrindavan dans la période de son enfance. En offrande, les fidèles apportent balles, poupées, sucreries pour plaire à l'enfant Krishna. Les offrandes apportent la bénédiction de Krishna aux fidèles. C'est la deuxième journée de Holi. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune inhibition et la bringue est totale. Dans la ville de Varanasi, on célèbre aussi Holi. Varanasi est l'une des sept villes saintes de l'Inde, car y coule le fleuve sacré qui traverse tout le pays, le Gange. Les pèlerins de toute l'Inde viennent pour s'y baigner et s'y purifier, laver ses péchés. Certains y viennent pour mourir, car si leurs cendres sont jetées dans le Gange, la tradition affirme que le défunt va au Svarga, le paradis des hindous. À Varanasi, on commence la fête Holi par la cérémonie Rangbari Ekdasi. L'excitation du début tant attendu des festivités de Holi exalte les fidèles à participer à cette cérémonie. Les étroites ruelles sont bondées et on étouffe tant la foule est compacte. J'ai réussi à m'extraire de la foule pour entrer dans la maison du Mahatma, le responsable du temple de Kashi Vishwanath. Au
Holi oblige, on m'accueille chaleureusement par un beau maquillage coloré. Le groupe des musiciens annonce le début de la procession, mais je me refuse à les suivre, tant la foule est compacte. Le groupe, les musiciens viennent de passer, là, moi j'y vais pas, là, c'est trop la cohue, là, tu meurs étouffé, là. Voilà. Aïe. Please stand one side. Yeah. Oh, man. Yellow pane. Il va falloir que je sorte, je sais pas comment. Des acteurs grimés arrivent. Ils symbolisent le dieu Shiva et son épouse Parvati. Car la cérémonie Rangbari Ekadashi commémore la légende de la visite dans la ville du couple des jeunes mariés, le dieu Shiva et sa jeune épouse, la déesse Parvati. Shiva et Parvati auraient résidé quelque temps à Varanasi. La légende veut que tous les dieux soient venus accueillir le couple en leur jetant des pétales de fleurs et toutes les couleurs du ciel. Chaque année, on reconstitue cet événement fondateur dans la religion hindoue en faisant une procession rappelant cette visite. Un brahman appelé Shankacharya souffle dans le Shanka, un instrument fait avec un gros coquillage pour annoncer le début de la procession. Le son du Shanka, instrument sacré, est considéré comme purificateur car il représente l'énergie divine et l'appel à la prière. Il est suivi par un autre brahman qui porte deux torches allumées, les Aratidiya. Les fidèles passent leurs mains sur la flamme et touchent ensuite leur tête. La tradition veut que cela transfère l'énergie divine du feu dans leur être, purifiant ainsi leur esprit et leur corps. Des dévots transportent les idoles en argent représentant le couple Shiva et Parvati sur un palanquin le long des ruelles bondées de Varanasi jusqu'au temple de Kashi Vishwanath. Ah!
J'étais au plus près du début de la procession pour filmer Shiva et Parvati. J'ai pu mesurer l'ampleur de l'excitation que provoque la présence de ces divinités. C'est la quête du darsana, être au plus près des dieux, les voir, les toucher, ou leur faire l'offrande de pétales de fleurs ou de goulal, augmente la bénédiction divine. C'est pourquoi les fidèles se tassent jusqu'à l'étouffement pour sentir l'émotion et la puissance spirituelle du darsana. Les croyants sont prêts à prendre tous les risques, y compris d'être écrasés ou piétinés, car ils croient qu'en étant ici en connexion physique et spirituelle avec les divinités, ils améliorent leur karma. Ils espèrent ainsi, à leur mort, que leur karma les fera sortir du cycle des réincarnations pour atteindre le moksha, la libération définitive de l'âme. Sir, थोड़ा सा